Je vous remercie. Donc j'appelle Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice de Paris, et Bastien Faudeau, conseiller municipal de Belfort et conseiller départemental du territoire de Belfort, sur le mythe de l'Europe, de la paix, face à la réalité d'un atlantisme belliqueux. Vous avez la parole. Alors, oui, d'abord je voudrais dire un point à tous nos auditeurs et aux présents. Je vous conseille vivement de lire notre brochure Construction européenne, pourquoi il nous faut tout changer. Et vous verrez que sur tout le champ du social et de l'économique, et en particulier du social, puisqu'on parlait de l'harmonisation, bien sûr, vers le haut, de nos standards sociaux, c'est explicitement exclu des traités. C'est pas simplement qu'il manque de volonté, c'est qu'il est explicitement exclu des traités, l'harmonisation sociale, comme d'ailleurs l'harmonisation fiscale, elle, n'est prévue que comme votée à l'unanimité. Donc, ces points sont importants pour expliquer pourquoi nous disons qu'il faut sortir des traités. Mais là, on va avec Bastien Faudeau. On va vous parler de l'Europe de la paix, parce que le point capital qu'on nous donne en général, c'est l'Europe de la paix. Donc l'Europe de la paix, c'est évidemment important, l'Europe de la paix. Mais la réalité est beaucoup plus, est beaucoup moins européenne, comme bien nous dit. D'abord, je voudrais rappeler, et François Mitterrand l'avait dit lors de son dernier discours au Parlement européen, il disait le nationalisme, c'est la guerre. Est-ce que l'Europe a fait reculer le nationalisme? Non. Puisqu'on voit aujourd'hui, partout sur le continent, augmenter l'idéologie nationaliste, le repli identitaire, et les peuples en concurrence et même en guerre économique larvée entre eux. Et ça ne tombe pas du ciel, c'est la nature même de la construction européenne, fondée sur la concurrence et non sur la solidarité, qui est la cause de tout cela. Dès l'origine, c'était déjà un problème. C'est accru au cours du temps. Je rappelle que dès l'origine, Pierre Mendès a refusé de voter le traité de Rome. Pourquoi? Parce qu'il explique déjà qu'on ne peut pas faire une union économique fondée sur la concurrence si en même temps, il n'y a pas une Europe politique, des outils de solidarité, des politiques communes et des capacités politiques, démocratiques et sociales. Il décrit exactement tout ce qu'on est en train de vivre. Le scénario catastrophe qu'il écrivait est en fait confirmé dans les faits. La deuxième chose, c'est que à plusieurs étapes, et notre ami Cils Rouges nous en parlait tout à l'heure, on nous a dit, vous inquiétez pas, on commence par le marché, mais on va arriver à mettre un peu de politique, un peu de social, etc. Oui, la seule chose qu'on a réussi à mettre en plus, c'est du monétaire, avec la monnaie unique, mais on n'a jamais eu le politique, le social, au rendez-vous pour essayer d'équilibrer la donne. Et donc la paix, il faut d'abord se rappeler que quand il y a des tensions, des inégalités, des misères et des pauvretés qui s'accroissent, eh bien, non seulement quand les peuples sont en concurrence les uns par rapport aux autres, mais s'il n'y a pas de prospérité partagée, eh bien, ça finit toujours mal. Parce que l'idéologie nationaliste, sous Hitler, elle n'est pas née que de la rancœur du traité de Versailles, qui des sœurs qui n'étaient pas très équilibrées et pas très malins, mais néanmoins, elle n'est pas née que de ça. Elle est née de la misère dans laquelle se trouvait toute une série de populations. La suite de la crise financière de 1929 avait eu des conséquences, etc. Or, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Europe? C'est d'abord un déséquilibre croissant, une augmentation des inégalités entre pays, au sein de chaque pays. Et les inégalités, en particulier, et ça on ne le dit pas assez, entre la France et l'Allemagne. Car j'entends des bons esprits nous dire oui, il faut que la France soit solidaire. Mais on est solidaire, puisqu'on est contributeur net de l'Union européenne. Mais on s'appauvrit. C'est-à-dire, il y a et des études allemandes et des études françaises avec l'OFCE qui ont montré que l'écart de PIB par habitant, de produit intérieur brut par habitant, s'est accru. La France a vu baisser sa part par rapport à une augmentation de ce qui s'est passé en Allemagne.
Alors évidemment, il y a des bons esprits qui vous expliquent qu'on est des crétins, les Français, qu'il faut faire comme les Allemands qui sont des gens intelligents, et que c'est pour ça que ça ne va pas bien. La réalité, c'est que le système qui a été mis en place est un système qui favorise le dominant en économique, à savoir l'Allemagne, et qui appauvrit les autres, Espagne, Portugal, Italie, etc. Alors avec toute la théorie du Club Med, hein, du genre que tous ceux qui sont au sud, on a un petit poids dans la cervelle, hein, on est vachement moins performant que l'Europe du Nord. La réalité pourtant, c'est que la France est la cinquième puissance mondiale, dans l'Europe c'est la deuxième, après vous avez l'Italie et l'Espagne. Hein, le Club Med, on est quand même bon. Tout ça pour vous dire que le système qui est en place est un système qui crée des problèmes, des instabilités, des pauvretés, des misères, qui au-delà même de la concurrence entre les peuples, peut générer des réactions qui porteront et du nationalisme et de la guerre. Et puis il y a la question de l'armée, de la défense, la stratégie internationale face au choc géopolitique et en particulier la question de l'alignement à l'OTAN. Dans le document, vous verrez que dès le début de la construction européenne, puisque l'Europe de la paix est l'enjeu, il y a des débats au sein de l'Union européenne sur ça. Premier échec, comme on dit, de la CED, Communauté européenne de défense, en fait d'une armée européenne. Et là, il est clair que les Français n'ont pas accepté qu'on soit premièrement à faire une armée qui réarmait l'Allemagne. Je m'excuse, mais on était quand même dans les années 50. C'était pas si loin que ça, les mauvais souvenirs. Et la deuxième chose, c'est que cette armée, elle était sous contrôle des Américains. Et de Gaulle, comme d'ailleurs d'autres forces, puisque dès cette période-là, au sein du mouvement socialiste, par exemple, il y a une division. Et le groupe socialiste à l'Assemblée refuse, il y avait déjà des frondeurs, hein, soi-disant, refuse de voter une armée européenne. Pas parce qu'ils ne veulent pas l'Europe, mais parce que, un, ils voient bien que c'est pas par, on ne commence pas à faire la paix en armant tout le monde, et deux, vous savez, c'est comme aux États-Unis, il faut que tout le monde ait des flingues pour, soi-disant, éviter que les gens se trucident ensemble. Et deux, parce qu'il y avait la question de l'indépendance par rapport aux États-Unis. De Gaulle parlait d'une Europe européenne, c'est-à-dire indépendante et autonome. Or, depuis quelques années, on aurait pu espérer qu'après la chute du mur de Berlin et de la chute du bloc de l'Est, l'OTAN n'avait plus de vraie légitimité, puisqu'en fait c'était l'outil de la guerre froide qui permettait d'organiser en Europe les forces qui devaient s'opposer à la menace soviétique. Bon, l'OTAN était conçue comme cela, dans le bloc de la guerre. Le général de Gaulle avait eu la prudence de retirer la présence de la France du commandement intégré de l'OTAN pour justement permettre à deux pays d'avoir sur la scène diplomatique une fonction d'équilibre, d'indépendance, qui cherchait à plutôt à faire dialoguer les parties, réfléchir à l'équilibre des parties, plutôt que d'être complètement dans un camp, le fameux camp atlantiste, le fameux camp aujourd'hui on dirait de l'Occident, hein, comme un camp dans lequel on était arrimé aux Américains, mais d'être acteur de rapprochement, de compromis, d'équilibre et de recherche d'un monde beaucoup plus multipolaire et beaucoup plus pacifique. Les choses ont mal fini quand, petit à petit, tout de suite après la chute du mur de Berlin, les pays de l'Est, avant d'entrer dans l'Union européenne, ils ont décidé que leur protecteur, ce serait l'OTAN. Ils ont adhéré à l'OTAN avant d'adhérer à l'UE. Parce que ils avaient, pour eux, le point central était de se protéger, entre guillemets, des Russes. C'était même plus l'Union soviétique. Les Russes, sachant qu'on a dans cette Europe de l'Est des tensions historiques entre une partie de ces pays, la Russie, comme d'ailleurs historiquement il y en avait d'autres avec l'Allemagne, les derniers conflits, les dernières tensions étaient évidemment plutôt avec l'Union soviétique et la Russie. Et donc, on rentre dans un moment où l'élargissement à l'Est, non seulement se fait mal du point de vue
des conditions sociales, puisqu'au lieu de faire ce qu'on a fait avec l'Espagne et le Portugal, financer les investissements, les pousser à avoir des standards sociaux qui se rapprochent des nôtres, on leur dit concurrence libre et non faussée, dumping social, c'est comme ça que vous allez vous développer. Et alors, déjà, ça c'est catastrophique. Mais en plus, on finit par renforcer l'adhésion, l'arrimage de l'Union européenne à l'OTAN et aux États-Unis d'Amérique. C'est Nicolas Sarkozy qui décide de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Le basculement atlantiste du Quai d'Orsay français et par ailleurs de nos choix stratégiques date de Nicolas Sarkozy. Nous n'avons jamais voté, jamais les Français n'ont été amenés à voter là-dessus. Ça s'est fait ni vu ni connu. Et comme une évidence, bon, le Parlement l'a adossé. Depuis, ça ne fait que croître et embellir. On est de plus en plus dans une logique intégrée. Alors là, la nouvelle mode, ça a commencé avec François Hollande. Nous allons renforcer l'Union européenne en créant une armée européenne. Bonjour, si vous croyez que c'est ça qui va donner le sentiment d'appartenance, si on n'a pas le même projet commun, si on n'a pas des protections, c'est pas en étant dans une armée commune. Mais le plus grave, c'est que ça correspond au choix américain qui ne veut plus financer la présence de l'OTAN en Europe et qui dit aux Européens, ben maintenant les gars, payez, faites votre système européen. Et on a même voté, sans que nous les Français le sachent, ils se sont engagés sur 2% du PIB dépensé en dépenses militaires pour 2020. Et encore, à la limite, si ces 2% de dépenses militaires étaient pour consolider nos capacités d'intervention indépendante, soit en projection quand il y a des problèmes au titre de l'ONU, au titre de notamment le combat contre le terrorisme ou des équilibres ici ou là, ou pour mieux défendre notre territoire national, voire être solidaire avec nos voisins s'il y a vraiment des réels problèmes. Où les choses se corsent en plus, c'est que les États-Unis ont décidé que leur ennemi en Europe, c'était la Russie. Les Lettons sont obsessionnels. On a maintenant des soldats français en Lettonie pour protéger contre les Russes. On a des Français en Ukraine contre les Russes. On a tous les documents actuels de l'Union européenne et de l'OTAN pour notre région. C'est l'adversaire russe qu'il faut contenir. Alors, on n'est pas des russophiles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de menace, mais enfin, où elle est la menace? Le premier rôle qu'a la France, c'est de rester, comme d'ailleurs sous Mitterrand De Gaulle, être capable de parler avec les Russes comme une force indépendante pour éviter les affrontements, les tensions inutiles. Mais ce n'est pas en étant arrimé à l'OTAN, en mettant des soldats et en prenant le risque, car, croyez-moi, à force, toutes les déclarations du G7, c'est contre la Russie. Sur l'histoire des... Je vais te donner la parole. Sur l'histoire de du cyberespace, moi je croyais que la cybercriminalité, c'était... Non, les documents, c'est contre les Russes. Par contre, contre les GAFA, contre Google, Facebook, qui font de l'introduction dans notre vie personnelle, aucun problème. Donc, l'air de rien, ils sont en train de nous entraîner sur une pente dérapante et qui risque d'amener au pire moment et même, il faut bien le dire, peut-être à la guerre. Basta. Au fond, Marie-Noël, ce que tu viens de décrire, c'est que nous sommes devenus, au moins dans l'imaginaire américain, le poste avancé de l'Empire. Sur ce qui était autrefois l'organisation entre l'Est et l'Ouest, des relations internationales dans le monde. Et au fond, moi je veux revenir à cette formule, à ce mantra « l'Europe c'est la paix » que tu as abordé au début de ton propos. Il faut d'abord le comprendre comme une stratégie politique. Ce sont des mots de propagande. Pour une raison fort simple, c'est que quand une fois qu'on a dit « l'Europe c'est la paix », les gens comme nous, qui sont un peu tordus quoi, en fait, quelque part, on pense pas « mainstream » comme on dit. Eh bien, à ce moment-là, pour peu qu'on critique l'Europe, si l'Europe c'est la paix, ça veut dire que nous sommes de féroces bellicistes, toi et moi, Marie-Noël, en dépit des apparences. Et je pense qu'il y a d'abord une fonction.
adversaires, les empêchant de tourner en rond contre, en les affublant en fait de la logique du bellicisme et des armes. En réalité, il faut inverser la proposition. Je ne pense pas que l'Europe soit la paix. Je ne pense pas que l'Europe a fait la paix. C'est la paix qui a fait l'Europe. Je propose d'inverser la proposition parce que, au fond, on peut très bien comprendre, Verdun, Première Guerre mondiale, 6 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une cinquantaine de millions de morts sur le continent européen. Un continent deux fois effondré en 30 ans. Des familles déchirées, des régions, je pense à l'Alsace en particulier, déchirées. Et les peuples eux-mêmes, la conscience aiguë des sacrifices qui ont été donnés au cours de ces deux atroces conflits ont fait bouger suffisamment les consciences pour que soit mûre la nécessité de s'entendre à l'échelle du continent européen. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième, c'est que, au fond, alors quand on dit l'Europe, il faudrait toujours s'entendre sur le terme. Parce que le vague de l'affaire... Lorsque je formule des critiques, c'est au fonctionnement actuel de l'Union européenne dont je parle. Nous défendons, au sein de la gauche républicaine et socialiste, une vision ambitieuse et audacieuse d'une construction politique, disons-le, sur le continent européen. Mais pour qu'il y ait une construction politique, encore faut-il que l'Europe prenne conscience de ses propres intérêts, d'une part, composée de la diversité des nations qu'elle est, et puis qu'elle soit capable de défendre ce que le général de Gaulle appelait une Europe européenne, c'est-à-dire indépendante. Or, tous les choix politiques qui ont été entrepris, alors, toi, tu dates à Nicolas Sarkozy et le choix d'intégrer le commandement de l'OTAN, bon, on pourrait dire que l'atlantisme français a débuté dans la dernière période quand même avec la première guerre du Golfe, même si il y a eu, mais je sais que toi tu t'y étais, je crois, opposé, mais naturellement le choix qui a été fait en 1991 d'intervenir en dehors de tout mandat des Nations Unies, c'était une guerre unilatérale comme en 2003, puisqu'il y avait des désaccords en fait au sein des Nations Unies. Eh bien, à partir de là, s'est opéré un long glissement. Et ce long glissement, aujourd'hui, nous y sommes, il est maintenant, je dirais, totalement advenu, jusqu'à ce que François Hollande, pendant son mandat, a même anticipé les positions des Américains sur la Syrie, en proposant, avant même que Barack Obama envoie des signaux très précis en la matière, eh bien que la France se joigne à une coalition pour intervenir en Syrie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nécessité politique absolue à ce que, en Europe, nous faisions le choix de l'Europe, de la construction politique de l'Europe, et au besoin, je pense que c'est une nécessité qu'il faut formuler dans sa plus stricte simplicité, quitter l'organisation de l'OTAN, parce que l'organisation de l'OTAN ne nous permet pas de défendre aujourd'hui sur la scène internationale nos intérêts. Elle nous fait défendre, pour l'essentiel, des intérêts, mais qui ne sont pas seulement diplomatiques. Il faut les comprendre comme des intérêts politiques, globaux. Ils sont économiques, ils sont sociaux, et ils sont naturellement de nature politique. De ce point de vue-là, je veux dire aussi une chose, c'est que la construction de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, dans son architecture économique et sociale, elle réveille les antagonismes. Tu évoquais la disparité et les divergences qui se sont accrues ces dernières années entre la France et l'Allemagne, mais on a vu des images qui nous paraissaient bien lointaines, des slogans et des catéchèses qu'on a entendus pendant les années 80-90, lorsqu'on voyait, au moment du plus fort de la crise de l'euro en Grèce, oui, le peuple grec manifestait avec des pancartes d'Angela Merkel en uniforme nazi. Et ces antagonismes-là, qu'ils aient pu être réveillés dans les consciences mêmes de nos amis européens. Et les Allemands qui, de l'autre côté, disaient ils n'ont qu'à nous vendre leurs îles. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qu'ils négociaient en partie
puisqu'ils avaient des capitaux, bien entendu, sur les resorts, sur la côte turque, en fait. Hein, c'était évidemment l'enjeu. Alors, au fond, je veux dire simplement que l'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, bien loin de programmer, donc je parle de l'Union européenne, bien loin de programmer la paix, a une fâcheuse tendance à réveiller les antagonismes. Et je veux terminer sur ce point politique qui me paraît absolument essentiel, puisque nous sommes quand même dans une campagne, celle des élections européennes. La fable, il n'y a pas d'autre mot, qui consiste à essayer, celle que les libéraux nous racontent, d'installer un clivage entre eux et les identitaires. Eux qui habitent, qui incarnent l'Europe de la paix dans leur propre discours, et ils renvoient en face d'eux les adversaires que sont les identitaires et les nationalistes. D'abord, je passe sur le danger que cela représente, parce que le jour où les libéraux auront perdu tout crédit, qu'ils se seront effondrés, dans ce dispositif-là, ils installent comme alternative les identitaires et les nationalistes. Ça, c'est le premier élément. Mais surtout, je dois dire que, au fond, Orban, Salvini, Marine Le Pen en France, tous les phénomènes identitaires, nationalistes, bellicistes que nous trouvons sur le continent européen, c'est le produit, c'est la réaction des peuples à leur dissolution politique, et la réaction des peuples à la dissolution sociale dont ils font l'objet, et qui est organisée, je ne vais pas revenir sur la première table ronde, par les traités européens tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Donc c'est un point qui me semble absolument central, c'est-à-dire choisir, au fond, je vais être un peu brutal dans ma formule, mais je le pense profondément. Choisir entre Macron et Le Pen, c'est choisir entre la cause et les faits. C'est choisir entre ceux qui organisent le dysfonctionnement social de l'Europe, qui accentuent, aiguisent en permanence les ressentiments au sein même des peuples, et ceux qui en sont la manifestation. Il faut refuser de toutes ses forces cette fable qu'on essaie d'installer, parce que c'est... Et lorsque la gauche, toutes les gauches en France auront pris conscience de cela, alors à ce moment-là, on sera en mesure de proposer une alternative solide et crédible. Voilà, très bien. Tu as deux questions. Alors, première question, à quoi cela sert-il une défense européenne si c'est sous direction de l'OTAN? Et deuxième question, l'Allemagne propose que le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU soit mutualisé au niveau européen. Ne pensez-vous pas que cela pourrait forcer les pays européens à se mettre d'accord pour parler d'une même voix? Alors, sur le siège de l'ONU, l'Allemagne est plus subtile en apparence. Mais en réalité, c'est bien la mutualisation du siège. L'Allemagne, pour l'instant, ne parle pas du siège français. Elle dit qu'il faudrait un siège pour l'Union européenne. Mais tout le monde sait bien que si on doit créer un siège supplémentaire à l'ONU, quand on voit qu'il y a l'Inde, toute une série de pays émergents qui n'y sont pas, inutile de vous dire qu'ils ne vont pas laisser la Grande-Bretagne, la France, l'UE, et ne pas avoir toute une série d'autres pays au Conseil de sécurité. Donc, il est clair qu'en ouvrant cette boîte de Pandore, c'est bien le siège de la France qui est visé. Et d'ailleurs, le social-démocrate, je ne crois pas que c'est Sigmar Gabriel, c'est un autre, qui a dit très explicitement, oui, il n'y a plus de raison que la France ait un siège, il n'y a qu'à en avoir un pour mieux. Non, ça ne permettra pas d'améliorer la cohésion européenne, car il ne faut pas confondre, c'est inverser la donne. Le Conseil de l'armée européenne, la défense européenne, elle doit être au service d'une politique concertée des intérêts des peuples. Comme je vous le disais, aujourd'hui, il n'est pas certain que la vision qu'ont les Lettons de l'avenir de l'Europe en matière de menaces qu'il y aurait du côté russe soient les mêmes que celles des Espagnols, etc. Je ne crois absolument pas à cette fable-là. Donc, le Conseil, ce serait une façon de diluer l'influence française. Or, déjà, on a un problème d'équilibre économique où nos élites ont intériorisé une infériorité française inacceptable, ce qui fait qu'ils nous disent toujours on ne peut pas faire de rapport de force tant qu'on n'a pas rétabli l'équilibre, mais de quoi je me mêle, on n'en a rien à faire de l'équilibre budgétaire par rapport à la puissance que représente la France en termes politiques, économiques, géostratégiques et même économiques. Donc cette espèce d'intériorisation, je ne suis pas pour dire que la France doit dominer, mais aujourd'hui, ce n'est pas nous qui dominons.
Donc nous devons tenir bon sur notre siège de sécurité et ne pas réouvrir cette boîte de Pandore. Je regrette que le traité d'Aix-la-Chapelle, oui, comme par hasard, d'Aix-la-Chapelle, soit justement réouvre cette boîte de Pandore. Alors maintenant, l'autre question. Je ferai un point avant que tu répondes au deuxième. T'as raison, défends-toi, parce que. Non, mais en réalité, il faut même inverser la proposition. C'est-à-dire, sur la question du siège de l'Union européenne aux Nations unies, mais que l'Europe fasse d'abord la preuve de son indépendance par rapport aux États-Unis en matière de diplomatie et de défense. D'accord. Ensuite, on pourra éventuellement évoquer cette question. Mais prendre la question à l'envers, oui, sans remettre en cause d'abord l'appartenance, en fait, à l'OTAN, ça veut dire très clairement, à ce moment-là, perdre une voie potentielle, celle de la France, pour l'équilibre dont tu parlais dans les relations internationales. Et comme je pense qu'il ne faut pas raconter du bobard aux gens, aujourd'hui, il n'y a pas de convergence diplomatique, géostratégique au sein de l'Union européenne. La deuxième question, c'était quoi ? Vous avez répondu, c'est en fait, c'était le. Quel est le sens de la construction d'une défense européenne si c'est sous direction de l'OTAN ? Oui, ben ça, je crois qu'on a expliqué. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'on est la seule liste. La liste d'insoumission, comment le titre la maintenant ? La voie de l'insoumission. La voie de l'insoumission. Nous sommes la seule liste à proposer et à nous engager sur la sortie de l'OTAN. Aucun de nos députés ne votera pour une armée européenne qui ne serait pas dans un cadre totalement indépendant et pas dans la parole, dans les faits. Et pour l'heure, tel n'est pas le cas. La deuxième chose qu'on peut dire aussi sur l'Europe de la paix, nous agirons pour que les déséquilibres internes à l'Union européenne se réduisent plutôt que de continuer cette voie libérale qui accroît les inégalités. Donc, si vous êtes convaincu qu'il faut jouer et l'indépendance de la France et une Europe européenne et une Europe de la paix parce qu'on ne va pas aller s'attaquer aux Russes par glissements successifs depuis M. Trump, alors il faut voter pour la liste de la voie de l'insoumission. Décidément. Emmanuel Morel, député européen sortant et candidat sur la liste de rassemblement La Voix de l'Insoumission, ainsi que Nathalie Moine, conseillère municipale de Saint-Pathus et gilet jaune depuis l'origine. Cette troisième table ronde a pour objet de tordre le cou aux dernières